Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo YouTube qui sera une vidéo tuto. Donc, vous l'aurez vu dans la miniature, aujourd'hui on va s'attaquer à ce petit sac-ci en crochet comme ça, mais attention, il a une particularité, il n'a pas été crocheté avec une pelote classique de coton ou d'acrylique ou de laine, il a été crocheté avec du ruban en satin. Donc moi j'ai trouvé ce ruban là, vous voyez ça se présente comme ça dans des rouleaux. Celui-ci il fait 18 mm de diamètre et pour un seul rouleau il y a 45,72 mètres, donc franchement c'est un super gros rouleau et surtout il était super pas cher. J'ai trouvé ce bon plan chez Nose. C'est 2,73€ le rouleau, donc franchement ça valait trop le coup. Mon inspiration pour ce sac, je vous le mets ici, comme d'habitude ça vient de chez Pinterest. J'avais cette épingle depuis des mois et des mois, je pense que ça fait au moins un an minimum que je l'avais dans mes inspirations. Et l'autre jour quand je me suis baladée chez Nose et que j'ai vu ces rouleaux de satin hyper pas chers, je me suis dit... Allez, c'est le moment. Surtout que quelques jours avant, dans mon panier Rascol, j'ai mis des rouleaux de satin et j'en avais pour quasiment 30€. Un super bon plan, super joli sac, hyper facile à reproduire. Enfin, c'est le sac assez classique en crochet. C'est vrai que c'est une forme assez plate, mais ça reste, entre guillemets, une façon hyper simple de faire un sac. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette forme. Comme ça, même si vous êtes débutant, vous pouvez essayer. Malgré tout, si vous êtes vraiment extrêmement débutant, il y a moyen que ce soit un peu compliqué de crocheter du satin. Même moi, j'ai un peu galéré, surtout celui-ci, qui est vachement rêche. On n'est pas sur du satin de qualité, vous savez, couture ni rien. Donc, Mais au final, c'est un inconvénient parce que c'est un petit peu plus chiant à crocheter, c'est un peu plus dur. Mais l'avantage, c'est que le sac se tient super bien, il garde bien la forme. Donc au final voilà. Bref, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram et sur mon TikTok. Ça me fait toujours plaisir d'agrandir la famille à travers tous mes réseaux. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous fais des gros bisous. Mouah. Donc c'est parti, je vais déjà ouvrir mon premier truc de ruban. Sur mes deux rouleaux de ruban, on voit tout de suite qu'il y en a un qui est un petit peu plus abîmé. Celui-ci, quand je l'ai acheté, je me suis rendu compte qu'il y avait des taches ici. Donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais commencer par celui-ci, comme ça ce sera le fond du sac, ce sera un petit peu moins choquant. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dérouler toute la partie comme ça qui a des taches, mais que où il y a des grosses taches, hein. si c'est léger, c'est pas très grave. Vous voyez là, il reste juste ces petites taches là, c'est pas très grave, on va pas les voir, ce sera le fond du sac. Et ce que je vais faire, c'est que tout simplement, ben, je vais couper la partie qui n'est pas exploitable. Je vais commencer du coup à dérouler un petit peu de ruban tout simplement pour avoir un petit peu de marge. Première étape, on va venir faire un nœud coulant. Donc je laisse un petit peu de marge au niveau d'ici. Je viens faire un nœud coulant comme ça. Très classique. Et donc maintenant je pense qu'on peut se rendre compte à quel point le ruban est assez rigide. Et vous allez voir, en vrai c'est pas si gênant que ça. Donc une fois que j'ai fait mon nœud coulant, je viens le resserrer un petit peu autour de mon crochet. Mais comme d'habitude je laisse un petit peu de marge, vous voyez. Il n'est pas complètement serré autour de mon crochet. Sinon, je vais avoir du mal à passer mon crochet. Donc, vous voyez, il faut que votre crochet soit quand même assez... Maintenant que j'ai fait ça, je vais commencer par monter des mailles en l'air. Je vais faire au fur et à mesure. Donc, je fais un jeté et je passe du coup à travers mon ruban. Alors, il se peut des fois que le crochet il se coince un petit peu. C'est normal parce que, vous voyez, c'est quand même assez large comme, comme ruban. Vous inquiétez pas, prenez votre temps. On n'est pas pressé. Et on essaye d'être un peu plus souple sur son poignet pour éviter de trop se faire mal au poignet. Et puis bah voilà, c'est parti, vous voyez. En vrai, ça va, ça se crochète plutôt bien. Donc au final, j'ai fait 16 mailles en l'air. Et vu que je vais travailler en demi-bride, je vais venir rajouter 2 mailles en l'air. Donc une et deux. Et là, je vais commencer à faire mon premier rang. Donc pour mon premier rang, je viens faire, comme je vous disais, des demi-brides. Donc je vais venir piquer dans la troisième maille en partant du crochet. En fait, ça va annuler les deux dernières qu'on a mis. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Donc je viens piquer dans la troisième maille après avoir fait mon jeté. Et puis, je viens tout simplement faire ma demi-bride. Donc là, si vous n'avez pas l'habitude... C'est pas si simple avec l'épaisseur du satin, donc concentrez-vous un petit peu si vous avez du mal et passez lentement à travers vos mailles pour essayer d'être le plus détendu possible. Donc vous voyez, moi je laisse un petit peu de marge, j'essaye de pas faire trop tendu, comme ça c'est plus agréable. Donc là ce que je vais faire c'est que ben, je vais continuer à mettre des demi-brides jusqu'à arriver au début de mon rang. Donc j'en mets une à chaque fois et voilà. En fait je fais un premier rang, on va dire très classique, hein.
Donc là, j'arrive à la dernière maille de mon rang. Je commence par placer une première demi-bride. Vous voyez, là, ça vient terminer mon rang. D'ailleurs, mon rang, si vous regardez bien, il part un petit peu en cacahuète. Donc, on n'hésite pas à tirer dessus. Ça se peut qu'avec le satin, ça change un peu de forme. Mais voilà. Donc, maintenant que j'ai fini mon rang, donc je suis allée jusqu'au bout. J'ai mis une demi-bride dans chaque maille. Dans la dernière maille, on va venir faire deux augmentations qui vont nous permettre de tourner et de pouvoir commencer à travailler sur l'autre côté de notre rang. Donc, deux augmentations, ça veut dire deux mailles supplémentaires dans ma maille. Je viens rajouter encore une demi-bride. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai deux demi-brides au même endroit. Et là, je vais venir en rajouter encore une. Hop, et voilà. Donc là, au bout, j'ai trois demi-brides dans la même maille. Donc maintenant, je vais commencer à travailler sur le rang d'en face, dans ces mailles ici. Vous voyez, là, on les voit bien. J'essaye de vous montrer. Alors, quand on est débutant, on a du mal un petit peu à identifier ce genre de maille, surtout sur une matière aussi technique. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre une demi-bride dans chaque maille de ce rang qui n'est pas un vrai rang à la base. J'espère que c'est clair, j'espère que les images vont vous aider à comprendre, mais voilà. Je refais un jeté et voyez, je viens ici, dans ma première maille en face, et je commence à mettre des demi-brides. Je garde, vous savez, la petite queue du début de mon nœud coulant. Ça, je le garde tout le long de mon rang pour pouvoir le cacher. Donc là, j'ai fait une demi-bride. Je viens dans la maille juste après, donc qui est celle-ci. Hop, j'hésite pas avec mes doigts à venir élargir les espaces parce que, comme je vous disais, le satin, c'est assez épais. Donc c'est pas facile de se repérer. Et je continue comme ça jusqu'à arriver, bah, du coup, au bout de ce fameux rang. Et là, vous voyez, ça commence à prendre forme. Et malgré le fait que le satin est assez rigide et que il est clairement pas d'une qualité incroyable, je trouve qu'il reste quand même assez brillant et que franchement, pour l'instant, ça part bien. Donc là, j'arrive au bout de mon rang. La dernière maille, c'est celle-ci que je vous montre ici avec mon doigt. Alors, si vous êtes extrêmement débutant avec cette matière, c'est vrai que c'est pas hyper facile à identifier, mais moi, j'arrive à reconnaître ici mes deux premières mailles du début. Mais surtout, si vous avez un doute, n'hésitez pas à recompter vos mailles. Vous devez en avoir 16 normalement. Parce qu'on a fait 16 mailles en l'air au début. On en a rajouté 2 pour pouvoir faire notre demi-bride, mais vu qu'on a piqué dans la troisième maille, elle s'annule, entre gros guillemets. Donc normalement, vous avez 16 demi-brides. Donc si vous avez un doute, vous vérifiez. Vous voyez, vous comptez avec celle-ci, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc on sera bon. Donc je me place dans la dernière maille de mon rang. Je viens faire ma dernière demi-bride. Donc là, on a entre guillemets, voyez, la base de notre sac. Ça, ce sera le socle, vous voyez. Quand votre sac il sera posé comme ça. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à monter les bords du sac. On va commencer à travailler en tube. Vous allez voir que c'est pas hyper compliqué. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de faire des demi-brides tout le long comme ça. Et à force, on va monter en fait petit à petit. Juste, on va mettre un marqueur de maille au tout début. Donc dans la première maille après la dernière qu'on a faite de notre rang. Pour pouvoir se repérer. Et ce sera surtout pour la fin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais venir placer une première demi-bride dans la maille d'après. Donc, je me place dans la fameuse maille et je viens faire une demi-bride, comme je fais depuis le début. Et là, ce que je vais faire, c'est que à la fin de cette petite demi-bride, je viens mettre mon marqueur de maille. Je sais qu'à chaque fois, à cet endroit-là, ce sera le début de mon rang. Et donc, maintenant, je vais pouvoir continuer de mettre des demi-brides dans chaque maille de mon rang. Donc, vous voyez, je passe à travers les deux brins de la maille. Je me prends pas la tête. La matière est déjà assez compliquée comme ça. Et voyez, là, on vient à peine de commencer. Mais on commence déjà à voir que le sac, il commence à prendre forme. Là, on commence à avoir un creux. Donc, on va commencer à monter en tube, en fait. N'hésitez pas à vous dérouler du ruban en amont. Comme ça, c'est moins chiant. Là, j'ai fini de faire mon premier rang. Voyez, la prochaine maille, c'est mon marqueur. Et je pense que vous pouvez bien le voir là à l'écran. On commence à avoir de la hauteur et avoir cet effet un peu bateau. Donc, voyez, là, on a déjà tout le fond du sac. Donc, maintenant, on va venir continuer à créer de la hauteur en continuant tout simplement de venir mettre une demi-bride dans chacune de vos mailles. Et vous allez voir que à force, vous allez monter en rang. La seule chose qu'il faut toujours faire, c'est quand on commence un nouveau rang, voyez, on va venir faire notre demi-bride là où il y a notre marqueur de maille. Et une fois qu'on a fait cette fameuse demi-bride dans le marqueur, et ben, on enlève le marqueur du rang et on vient le placer dans la demi-bride qu'on vient de faire. Et on sait que, hop, ici c'est le début. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on ait la hauteur du sac qu'on veut. Donc on se retrouve à ce moment-là. Et n'oubliez pas, on met des demi-brides dans chaque maille de notre rang précédent à chaque fois.
tout simplement. Alors là, j'arrive à la fin de mon premier rouleau. Donc vous voyez, au bout de mon tissu, j'ai un petit peu de colle. Je vais juste prendre, ça c'est le ruban de ma pelote entre guillemets neuve. Je vais venir l'accrocher comme si c'était la pelote classique. Normalement, pour relier deux pelotes entre elles, on prend un bout de fil et on vient faire un nœud autour de la pelote qui est finie, comme ça. Et avec la pelote qui est finie, je viens faire un nœud autour de la pelote neuve. Et là, normalement, quand je tire, je rassemble les deux. Là, c'est bon, ça fait un gros nœud général, donc je viens couper les extrémités à ras bord. Là, la pelote, elle est reliée. Enfin, la pelote, vous l'avez compris, le rouleau, quoi. Bon, alors là, du coup, j'ai la hauteur que je veux au niveau du sac. Donc, ça fait à peu près, vous voyez, la taille de ma main. La prochaine maille, c'est le coin de mon sac. Vous voyez, c'est vraiment pile le coin, ici. Alors déjà, je vais venir me placer dans mon marqueur de maille en faisant une maille coulée. Et genre là, juste ça ferme le cercle quoi. Donc maintenant, je vais enlever mon marqueur de maille et je vais commencer à faire les anses. Donc pour les anses, vous voyez, genre je mets mon sac à plat et je regarde à peu près où je veux qu'elle commence. Donc ce que je vais faire, c'est que je pars de ma dernière maille qui est ici et je vais compter le nombre de mailles. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça me paraît bien. Donc déjà, je vais venir mettre des demi-brides jusqu'à ma cinquième maille, ici. Donc je reprends en demi-bride. Là, j'avais fait une maille coulée juste pour terminer, entre guillemets, mon cercle. Mais là, je reprends mes demi-brides sur 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, pour que ce soit symétrique, je vais mettre dans le coin ici, puisque là, j'ai commencé au coin. Donc en face, je vais prendre le coin, je vais compter 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire qu'après, ici, ça va faire le trou jusqu'à 5. Donc ce que je fais, c'est que je mets un marqueur de maille ici. Et pour créer l'espace, je viens compter combien il y a de mailles ici entre ma dernière demi-bride et la prochaine ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Vous voyez, parce qu'après, c'est celle où il y a le marqueur. Du coup, ici, pour faire l'espace, je vais venir faire 5 mailles en l'air. Ah mince, c'est 6 et 6. Donc là, j'ai fait les 6 mailles en l'air qui représentent l'espace pour ma anse. Je viens tout simplement faire une demi-bride là où j'ai mis mon marqueur. Je viens piquer là où il y a mon marqueur. Hop, et je viens faire une demi-bride. Hop là. Et vous voyez, en fait, ça fait un petit espace comme ça. C'est ça qui fait la anse, quoi. Vous voyez, ça donne ça. Donc ça, c'est pour le premier rang. Donc là, je vais faire mes 5 demi-brides jusqu'à réarriver au bout. Arrivé au bout, je refais la même chose en miroir pour avoir la même taille de anse de l'autre côté. En fait, je me suis rendu compte qu'en faisant une séparation de 6 mailles en l'air, c'est un petit peu juste pour mon poignet, genre il rentre, mais c'est pas hyper pratique. Donc vu que je veux quand même un sac qui soit pratique pour la vraie vie... Ici, je vais rajouter des mailles en l'air pour la séparation. Vous voyez là, il passe vraiment super bien mon poignet, donc c'est beaucoup mieux. Donc 9, c'est bien. Ok, donc là, j'ai refait mes anses à la bonne taille. Donc vous voyez, il passe beaucoup mieux comme ça, mon poignet. Donc là, j'ai fait mes 5 demi-brides jusqu'à arriver au bord. Donc là, je suis arrivée à la fin de mon rang. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de faire des demi-brides jusqu'à arriver au niveau de ma anse. Parce que vous voyez, la anse, elle est plus fine que le reste. Et du coup, ça fait pas très joli. Donc je vais venir doubler la anse en faisant des brides au niveau de la anse et des demi-brides sur le côté. Donc je vais vous montrer. Donc là, je suis arrivée... c'était ma dernière maille. Là, c'était les 5 du côté. Donc dans la prochaine maille, je vais venir faire une demi-bride. 5. Et du coup, il m'en reste une ici, ça fait 6. Parce que du coup, entre le rang ici et là, il y avait une bride en plus. En vrai, on s'en fiche un peu. Enfin, en tout cas, ça va pas me déranger pour mon résultat final. Donc je fais les 6 du côté ici. Et là, du coup, je vais arriver dans les mailles en l'air de la anse. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire des brides pour essayer d'épaissir un petit peu. Donc, je prends la première maille de ma chaînette. Ici, vous voyez, vous les voyez bien, les mailles. Ben, vous allez directement dans la première et vous faites soit des brides si vous voulez augmenter, soit des demi-brides si vous voulez rester sur la même taille, même taille qu'au début. Moi, je vais essayer en faisant une bride pour voir si ça épaissit un petit peu plus la anse. Alors, c'est pas facile de passer le satin dedans, donc ça me paraît pas trop mal. Je vais continuer en bride et je vous dirai à la fin si je suis restée en bride ou si j'ai préféré refaire des demi-brides. Bref, du coup, je vais faire 9 brides
au niveau des mailles en l'air de la anse. Ensuite, je continue mon contour en demi-bride et je vous montre à la fin comment je relie les mailles pour terminer et le sac qui sera fini. Voilà, là, il commence à faire nuit, donc je me dépêche. Voici ce que ça donne. Donc là, je suis arrivée, j'en ai fait 5 au total, donc comme je vous disais, sur le côté. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille coulée pour terminer mon rang. Et ensuite, je vais faire une maille en l'air. Et je vais tirer bien fort pour terminer. Donc, il n'y aura plus qu'à couper. Sachez que là, vous pouvez totalement faire votre maille en l'air et en faire plein d'autres pour faire une bandoulière. Mais je ne sais pas si c'est le style que je veux donner au sac ou pas. Donc, je verrai si je rajoute une bandoulière. En vrai, on peut la rajouter après. Donc, voilà. Là, c'est la fameuse maille en l'air que j'ai tirée. Vous voyez, je vais venir la couper. Et après, on tire bien fort. Et il ne restera plus qu'à cacher le fil.